Oh chic chic, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un tuk-tuk, on part pour Thaïlande. Eh non, on part au Vietnam, on va fêter. Maintenant on revient du Vietnam et puis on a deux jours, on n'a pas le temps. On retourne, on va chez Aurélie et ses parents. Aurélie, c'est pas vietnamien ça? Si, Aurélie Nguyen. Ah oui, Nguyen, bah oui, forcément. Ah oui. Et on va à Nha Trang. On n'a pas le temps d'aller à Nha Trang, on n'a que 24 heures. Mais si, on va fêter le Tet, le nouvel an vietnamien. Mais qu'est-ce que le Tet? Eh bien, le Tet, c'est le nouvel an vietnamien, je viens de le dire. Okay. C'est le renouveau. Ah oui, c'est là où on mange du chien. C'est la célébration du printemps. C'est là où on mange du chien? Mais pas là. Non, pas là. Au Vietnam, oui. Bon, on est parti, on va à Nha Trang alors. Allez. Chauffeur. Allez, c'est parti. En piste, c'est parti. Allez, go. Bon, ma chérie, on est arrivé, hein. Ça y est, regardez, la preuve, j'ai les baguettes. Ah oui, c'est les baguettes, on est sauvés. On trinque à la future année du singe. Allez. À vous, à nous. Et puis, à nos aventures de ce soir. Alors, on commence par l'apéritif maison avec des petits gâteaux vietnamiens. Après, au choix, salade de bœuf, salade Nha Trang, ça c'est spécial pour Jacques et Roland. Ou alors, on va manger des petits nems, des petits spring rolls. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Ouais, ça manquait. Ça nous manquait, on en mangeait tous les jours avant. Terriblement. Ensuite, on va manger un canard Nha Trang. Alors, on verra ce que c'est. Bah, c'est la surprise. Voilà. Ou alors, le lotus aux fruits de mer. Je vais rester sur le canard, moi, ça dérange pas. Ou encore la gambasse saïgonaise. Mais moi, je crois que le canard Nha Trang, ça sera une bonne découverte. Accompagnement. Nouilles nature, riz cantonné ou alors riz nature. Et puis dessert au choix. Bon. Alors ça, c'est un mystère. Non, pas des mystères, moi j'ai pas envie de manger des mystères. Parce que dans plein de régions asiatiques, on mange des mystères. Eh oui, c'est un mystère. Et ça, c'est un sacré mystère pour nous. On a toujours pas eu des idées. Et si vous avez de la chance, peut-être qu'à la fin, pour l'année du singe, un dragon. Le spectacle du dragon. Alors c'est parti avec le gâteau vietnamien. Et là, on a de la chance, on a le maître de maison. Le maître Shaoling. Shaoling, c'est l'année du singe, vous l'avez reconnu, hein, c'est lui. Alors, qu'est-ce que le gâteau vietnamien? check. Qu'est-ce que le gâteau vietnamien alors? Voilà, le gâteau vietnamien, c'est que bon, c'est à base de riz gluant. Ouais. Et à l'intérieur, il y a le poitrine de porc. Ça, c'est bon, ça, c'est bon le cochon. Et graines de soja. Graines de soja. Jaune, voilà. Hein. Ok. Donc, tout ça cuit à la vapeur. Voilà. Ok. Ça se on mange prépare, on l'assaisonne à l'intérieur, les viandes, tout ça. Ok. Et on fait cuire à la vapeur, ça se mange. J'espère que ça se mange parce que je ne suis pas venu pour manger. Ou à vapeur, comme ça, voilà. En friture aussi. Voilà. C'est-à-dire croustillant. On peut mettre un peu le poêle. Ok, d'accord. Nous, on va le goûter à la vapeur. Bon appétit. On va planter les baguettes dedans pour vous dire au courant. Planter les baguettes dedans, je rigolais pas parce que moi, manger ça avec une baguette, je ne vais pas pouvoir tout rentrer dans la bouche. Donc, c'est quoi? Je vais faire la baguette couteau. Oh, c'est bizarre la texture. Ouais. Ah, hop là. Allez, tu vas nous dire alors, ce que t'en penses, on attend. C'est la grande surprise. Alors, attention, maniement des baguettes. Parce que c'est toujours un grand... Un gros moment. Les baguettes à deux mains. Mmh. Alors, c'est comment? C'est drôlement bon, hein. Déjà, j'adore la texture. Mmh. Je suis agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Et Première approche en bouche, j'ai l'impression d'avoir un petit peu la pâte qu'on a sur les carreaux. Mmh. Et alors c'est pas du tout ça, mais enfin, si on reste sur le riz. Et non, c'est super sympa. Ouais, c'est très parfumé. On va pas vous redire les parfums parce que Maître Shaoling nous en a déjà parlé tout à l'heure. Mais franchement, gâteau viet, j'adhère. Bon bah c'est parti, hein. On va manger un peu. Donc là on a la première entrée, salade au bœuf. Alors il n'y a pas trop d'humain, on voit pas trop. Hein. Bah, nous on voit, mais vous moins. Donc il y a la salade, il y a le bœuf et puis des cacahuètes. Des cacahuètes. Des cacahuètes. Des nems traditionnels. Ah ouais. Mais tout à l'heure. À la main parce qu'ils ont tous une taille différente, donc ça c'est un signe. C'est les choubichous ou sur les aisselles? Chabichou. Non, pas choubichou. Oui, sur les aisselles. De toute façon, les nems, on aime. Et alors là, salade Nha Trang. Et là, c'est une salade Nha Trang. Ouais. Alors bah, je vais goûter parce que je ne sais pas ce que c'est que la salade Nha Trang. Il y a de la menthe, à mon avis. En dessous, il y a. Qu'est-ce que tu manges bien avec des baguettes? T'es bon, toi. C'est très bon. T'es tout bon. Il y a du poulet. Ouais. Il y a des cacahuètes. Il y a du soja. Il y a du poivron. Il y a peut-être du piment. Ah. Un petit peu de menthe, des herbes fraîches comme au Vietnam. C'est super rafraîchissant. C'est très bon.
Alors on mange. Alors on mange. Allez, c'est parti. Alors je suis obligé de revenir dessus parce que la salade de bœuf, elle est vraiment excellente. Ça me fait penser à un bon carpaccio, un vrai carpaccio français, sauf qu'on est avec toutes les tonalités asiatiques. C'est une chose très rare sur la cuisine vietnamienne, c'est très bien assaisonné. Et juste pour moi, mais ça c'est à titre personnel, un peu dérangeant. C'est le côté un petit peu pimenté qui vient me brûler les oreilles une fois de plus. Alors, et la salade natrang à la dégustation. Ma salade natrang, elle est trop bonne. C'est de l'exotisme, c'est super bon, très équilibré. Et puis les nems, alors les nems, c'est... Alors les nems, j'ai pas goûté encore. La salade natrang, apparemment, elle est encore plus pimentée que le bœuf, donc je vais pas trop m'en approcher. Hein. Quand on aime, dépêche-toi parce que... Quand on aime, ouais. Ouais, bah, les nems, bah, même quand on aime, il n'y a pas de nems. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, tu vas filmer, je vais manger. T'as d'accord raison. Allez. Ok. Ciao. Arrête, laisse-moi être ensuite le retour. Viens. À ça, Igou. Oh, t'as picolé ou quoi? Manger des gambas, ça, Igou. Ah ouais, t'es à bloc. Ouais. Viens. Anna alors attends, parce que ah oui, le canard natrangué. Ah, ils sont le fumé, non? Ils sentent le fumé, ce canard. Et là, on est sur le lotus, alors en fait, qui est symbolisé par ces petites douilles frites. Et c'est la salade de lotus fruits de mer. Donc on a des lotus fruits. Ah oui, salade, voilà. C'est comme salade, ça. Non, c'est des lotus aux fruits de mer. Il y a de la salade, il y a des lotus aux fruits de mer, voilà. Donc alors, je pense que ça va attends, être bien sympa. Attends, c'est quoi? On goûte maintenant, de toute façon, on est pour manger. Donc alors, le canard, je l'appelle le chicken coin-coin. Hein, c'est le poulet qui fait coin-coin. Alors, on va voir. Attention. Oh là là. Non, moi je suis pas très viande, mais c'est super bon. C'est un goût fumé. C'est bien juté. C'est fumé. Très bien cuit. Très bonne cuisson. Alors, c'est très cuit, tout en étant très moelleux. Mmh. C'est quand même un piment très rare. Ça, c'est mon assiette, je la garde. Après, on goûte le reste. Alors, les miniatures. Oui, super, merci beaucoup. Et vous avez dans les cantonnets aussi. Le riz cantonais, super. Allez. On va pas beaucoup manger encore ce soir. Non, je vais rentrer, je vais me faire un jambon beurre. Alors, les gambas. Oh là là. Alors ça. C'est super bon. C'est un goût un peu sucré. Voilà, moi avant, j'étais pas trop sucré salé dans la cuisine. Et j'y viens de plus en plus. Mmh. C'est bien, il y a une évolution. Ouais, c'est quoi, je vais grandir un jour. Hein. Non, mais c'est très, 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 très bon. Et maintenant, les nouilles. Attends, je bois un coup de bière avant parce que. Bon, alors, moi, les nouilles. Une petite saigon. Le petit lotus, les nouilles croquantes, comme ça, frites. Attends, je vois un peu un temps, voilà. C'est bien alors, croustillant sur les dents. Attends, c'est séché. Eh oui, c'est ça. Ah oui. Et ça a la forme d'une fleur de lotus. Mmh. Bon, moi, les coquillages, c'est mon truc, c'est plutôt les manger crus. T'as fait quoi? Je mange un champignon. Ah, moi, je vais manger un petit morceau de Saint-Jacques. Aloha. Bon. Bon, alors, pour nous, c'est validé. On vous laisse, puis on continue. Je crois qu'il y a le dragon qui va rentrer. Traditionnel quand même. Ah, déjà on a une pâte bien croustillante, roulée dans le sucre semoule. Je vais attendre un peu avant de goûter, je vais passer au reste parce que c'est chaud. Je vais me brûler, je me suis déjà brûlé avec les piments, on va arrêter les conneries. Alors après. Ça quoi, au maïs ou au tapioca? Non, apparemment, je crois que c'est. Je crois que c'est
tapioca. Et je n'en sais pas plus. Alors. Ben, vas-y, goûte, parce que toi, tu goûtes tes trucs. Oh là là. Quoi, oh là là. Oh là là. Arrête, hein, d'être désagréable avec les gens. Mais non, mais. Oh là. Oh là. Oui. Ça glute ton truc, ça glute. Allez, glute. Ça glute. 1, 2, 3, glute. Attends, je vais prendre un peu de jus avec, je pense que ça va être nécessaire. Mais vas-y, prends du jus. Que ça glisse. Non. Alice. Mimis. Alors. Non. C'est quand tu t'es dit. Non, bah attends. Je connais pas, c'est une lecture spéciale que je connais, je découvre. Là. C'est, bah, de toute façon, on a vu la découpe, c'est très très gluant. Et il mange pas tout le dessert. Alors, je déconseille d'en manger. Pourquoi ? Pas si, mais pas. C'est autour. Il y a cette citronnelle. Il y a les gros gros, oh, les gros gros bâtons de citronnelle. Donc, les morceaux longs, À éviter. Tu prends pas et tu vas te dépêcher de manger parce que après ça va. Oh, ça va figer. Bon, bah, dépêche-toi. Allez, un petit coup bien vietnamien. Et après ? Alors après maïs. On a le maïs. Alors je sais pas ce que c'est en but. Mais pour en revenir au plat d'avant, t'as plus qu'à. Par contre la texture est très très sympa, c'est marrant quand t'as pas l'habitude. C'est, bah, nous on aime bien les couvrir. Alors. On aime ce qui est gluant, c'est pour voilà. Ça qu'on a plein d'amis gluants. D'ailleurs. Comme le riz. Et moi mon petit nom c'est la glu. C'est ça. Alors maïs. Alors tu vas aimer. Parce que c'est mon sentiment, hein. Le maïs en boîte. Ah bah oui, c'est ce que j'ai mangé à Cantou. Voilà, maïs en boîte qui est broyé, tu sens les morceaux de peau dedans. Ouais, bah c'est pas sûr que j'aime moi, parce que moi... Ah ouais non, j'ai non en verre, c'est pas mon truc. J'ai eu en verre. Je préfère mon petit homme vert, mon petit extraterrestre. Alors, ça c'est marrant parce que c'est pas marrant, parce qu'on est dans le sucré salé. Ah bah ça, c'est ce qu'on a mangé au Vietnam souvent. Ouais. C'est spécial, hein. Je vais revenir, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à un truc un peu plus traditionnel. Par contre, c'est pas forcément à notre goût, mais c'est à découvrir, parce que c'est des textures et des goûts qu'on n'a pas l'habitude. Et le but du jeu, c'est de découvrir, c'est pas de manger les choses qu'on a l'habitude. Et ouais, je pense que la refroidie, attends, je rince un petit peu la Saigon, parce que... Il se pince les dents. Le tabloca et le maïs, ça colle. C'est comme l'œuf de Sandan, ça. Il a l'air bien sympa, bien. Pas très bien. Bon, bah, allez, hein, je vais goûter. La banane est juste chaude, pas de poussillon. Bah voilà. On va finir le dessert. Et puis, c'est quoi le nom du restaurant déjà? On est à Natrang. Natrang, j'ai dit Armand Gras, moi. 23 rue d'Angleterre à Nice, au Natrang. Voilà, et elle est et très on très forte. Voilà, c'était une découverte pour nous ce soir. Et on reviendra. Et puis, on espère que cette nouvelle façon de partager nos adresses, nos coups de cœur, nos découvertes, ça vous plaît. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Mais c'est la fameuse Aurélie Nguyen. Au revoir. Au revoir. Oh là là. Merci pour tout.